si je parle un peu de la cérémonie d'aujourd'hui, ça concernait cette cérémonie de clôture du projet de Gras, FHI, financé par l'USAID et mise en œuvre par FHI avec la collaboration du ministère du MENFOP. Donc ce projet qui a duré 5 ans a concerné surtout trois composantes. La composante 1 qui est la révision du curricula et la conception des outils didactiques manuels guides. Deuxième composante qui concernait la mobilisation communautaire, sociale et familiale. Et enfin la composante 3 qui était le renforcement de la politique éducative, c'est-à-dire l'évaluation, l'introduction de la tablette dans le travail des conseillers pédagogiques et des inspecteurs et ce qu'on appelle le tableau d'abord qui permet de suivre les visites des CP et qui permet aussi d'optimiser les aspects pédagogiques parce que tout ça, ça contient les grilles d'observation et le rapport des visites des CP. Et enfin, une ressource documentaire appelée Cairn International qui a permis un abonnement, nous avons permis un abonnement annuel qui se poursuivra aussi cette année jusqu'à mars 2025. Ce projet concernait le segment fondamental, c'est-à-dire l'école primaire et le moyen, et à mobiliser toutes les forces du ministère de l'Éducation nationale, les curricula avec le CREPEN, la formation au centre de formation, l'inspection générale qui participe à la formation, mais qui est aussi chargée de l'encadrement des enseignants et de l'accompagnement dans les classes. Et donc nous étions tous mobilisés, y compris l'évaluation, pour que ce projet puisse aboutir avec des résultats attendus. Les résultats ont été exposés ce matin, ils sont positifs. En ce qui concerne la formation particulièrement, nous avons inséré la nouvelle donne dans la formation initiale pour que tous les enseignants sortant du centre de formation soient formés avec les nouveaux outils de cette réforme et qu'ils puissent bénéficier de la même formation que les autres. Et en formation continue, nous avons formé les enseignants de l'école primaire et des collèges, tout niveau confondu, et les chefs d'établissement ainsi que les conseillers pédagogiques. Donc aujourd'hui, tous les acteurs sont au fait de ces nouvelles méthodes, de ces nouveaux outils qui ont été introduits au niveau de contenu, mais également aussi au niveau des outils dans nos programmes.